Avec Sarkozy et Hollande, j'ai commencé à avoir honte. Et avec Macron, je suis tombé une échelle plus bas, une étape plus bas encore. C'est quelqu'un qui n'aime pas son pays, qui pense que son pays, dans le fond, c'est en trop dans l'histoire, vous voyez. Il va en Algérie, il parle des crimes contre l'humanité commis par l'armée en Algérie. Il dit qu'il n'y a pas de culture française. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une série de déclarations de Macron qui font penser qu'on a un roi qui n'aime pas son, qui n'aime pas la France. Il n'a pas cet amour charnel de la France que vous pouvez avoir un type que j'ai jamais supporté, mais qui s'appelait Mitterrand. Mitterrand, si vous voulez, on sentait que, quelque part, quand il était à l'étranger, il représentait la France dans ce qu'elle a de bon ou de mal, mais il ne faisait pas honte, en quelque sorte.